Puis Richard, il dit, donnez-moi l'homme de ma femme, c'est tout ce que je demande. Oublie ça, on a travaillé assez dur demain pour l'avoir, hein. Enfin, ouvre ton sac, on va te donner d'autres hommes en échange. Des hommes de marchands qui ont escroqué, des hommes d'avocats qui ont menti, des hommes de charretiers qui ont sacré toute leur vie. Enfin, 100 hommes, prends ça, puis va-t'en. Mais Richard, il était pas satisfait, hein? Il a dit, donnez-moi l'âme de ma femme. Et pour appuyer ses propos, il prend son violon, puis il joue un coup, zing, puis les trois jobs synchronisés. Mais wow, 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 puis il dit, on recommence pas ça. Tiens, l'âme de ta femme, comme là, va-t'en, scram, puis claque les bords des enfants, et claque au nez de Richard. Il est tout heureux, il prend son sac de 100 hommes sur une épaule, puis c'est l'homme de sa femme du Nord, puis il remonte au paradis. Puis Saint-Pierre, en voyant arriver, ben là, il laisse passer le bon gré, hein, c'est pas tous les jours qu'un mortel ramène 100 hommes, plus l'homme de sa femme des enfants. Là. C'est même qu'on dit, la légende dit que l'histoire finit. Croyez-y, croyez-y pas, c'est votre choix.